J'ai décidé d'arrêter d'être commercial pour une multinationale qui vendait de l'eau. Au lieu de rester dans une petite bulle et dans une petite boîte qui me réduisait à un simple consommateur. J'ai décidé d'arrêter de faire un travail qui n'avait plus de sens pour inventer un autre mode de vie. J'ai travaillé pour une entreprise d'agroalimentaire à New York. C'est une entreprise qui vendait de l'eau. Moi, j'étais payé pour que cette marque d'eau soit présente dans les grands restaurants, les boîtes de nuit, les grands hôtels. Et donc, cette idée de faire de l'eau un produit de luxe. Et donc, c'est un moment, je pense, cette rencontre avec Nathanaël qui m'a fait me dire que voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Et que voilà, est-ce que l'eau, déjà, ça devrait être gratuit ou pas? J'avais vu un documentaire avec le PDG d'une autre entreprise qui disait que l'eau, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les extrémistes qui pensaient que l'eau était un bien commun. Et puis, les gens un peu plus pragmatiques qui pensaient que c'était une question de pouvoir d'achat. Et puis, tant pis pour les pauvres. Et c'était dit un tel cynisme que je me suis dit, moi, j'étais pas d'accord, je voulais plus participer à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après, derrière? Et c'était tout cette idée de ne pas avoir de réponse, donc aller les chercher et de voir s'il n'y a pas d'autre manière d'avoir une autre approche au vivant et à la nature. Donc ça a été surtout ce début-là, en fait, le changement de vie. Ça a commencé par là. Je me sentais que ça allait me faire un cancer de rester travailler là-dedans, donc j'avais besoin de voir autre chose, en fait. Du coup, j'ai décidé d'aller voir le monde et de montrer qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient différemment, qui pensaient autrement et peut-être qu'elles avaient raison. Moi, ce qui me mettait en colère, c'était cette destruction du vivant, cette marchandisation de la nature qui détruit notre écosystème, notre maison, et qui met les individus les uns et les autres en compétition et qui prive 1 milliard de personnes de nourriture, alors qu'on peut nourrir tout le monde. Moi, je pense que c'était sur l'alimentation. Il y a une partie des humains qui sont empoisonnés par des produits chimiques et une nourriture industrielle toxique, et en même temps, 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas assez à manger, qu'on a privé de leur autonomie pour leur imposer un certain nombre de règles et de lois, notamment avec l'OMC. Donc c'était cette inégalité, cette inéquité, alors que des solutions existent, pour une espèce de cynisme, une fameuse loi du marché qui fait que ce serait obligatoirement comme ça et qu'on ne pouvait pas changer les choses. Donc on s'est dit qu'il faudrait trouver un documentaire qui mélange et le problème, mais surtout les solutions, et qui donne envie de faire des choses et qui montre aussi le côté beau de la nature et de l'humain. Ça réveille le côté explorateur, le côté il y a d'autres choses à découvrir. Le monde n'est pas la toute petite boîte dans laquelle on a essayé de nous enfermer et qu'il y a des secrets, des merveilles, des individus qui font des choses et de se ressentir vivant, en fait. Je crois que c'était la vie, en fait, avec un grand V qui appelle à sortir de notre petite boîte pour exprimer autre chose. C'est d'avoir transformé une colère, de voir un monde qui vraiment ne nous plaisait pas, en fait, et cette énergie de colère, de la transformer en quelque chose de beau et quelque chose d'inspirant, et de voir que si on arrive justement à transmuter certaines émotions, on peut en faire quelque chose de beau, et c'est ça qu'on a trouvé dans le sens, enfin, quand on parle de la quête de sens, et comment est-ce qu'on transmute ces choses-là pour aller essayer d'apporter sa pierre et quelque chose, de rendre le monde plus joli, plus beau. Une fois qu'on essaie, je pense, de matérialiser ses valeurs dans des projets concrets, ça fonctionne, on est bon dans ce qu'on fait, donc on a après de la réussite, et que c'est une loi, j'ai l'impression, qui peut s'appliquer à chacun.